Vous voyez. Betterave rouge et anguille fumée dans la verrine, une petite mousseline de moule, spirale de pommes de terre croustillante et gelée de safran, un petit biscuit soufflé, céleri et vanille, et puis un bonbon à la mandarine et à la carotte. Ah non, on n'a pas dit j'ai quoi faire. Bonjour chef. Bonjour jeune homme. Bah, si vous voulez profiter d'un petit essai, je suis en train de faire un petit essai sur l'instant. Pas de problème. Un viol de homard au chou pas de chou. Faut pas. Regarde. Ça va. C'est du pain. Non, c'est quoi? Ouais, Maxi King de chez Marlowe. À Chaille. C'est bien Marlowe. Ah ouais? Faut que je goûte? Bah, tu goûteras, tu me diras ce que t'en penses. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, ensuite, allez. Bon, donc, je sais, j'ai vu. T'as vu, c'est sûr? Je peux les rouler, mais qu'est-ce que... Vous avez fait mousser là-bas? Oui, chef, c'est fait. Alors, bonsoir, c'est la jambe. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Alors, en fin de compte, ça, c'est un risotto de courge butternut au sudashi, jamie molette et également safran du Val de Loire de chez mon ami Samuel Punière. Donc c'est une interprétation où on a subtilisé le parmesan par de la mimolette, ne serait-ce que la couleur qui me rappelle un peu les mêmes couleurs. On fait un petit peu de safran et le côté orange, enfin agrume, en l'occurrence le sudashi qui est tout à fait particulier avec une finesse de goût qui est assez remarquable. Je trouve que ça va très bien avec ça et on doit sentir et l'agrume et cette mimolette tout en douceur qui a un côté un petit peu noisette. Et puis la petite émulsion que l'on va mettre dessus avec une huile d'agrumes. Là, on va avoir une petite huile. Donc ça, c'est une petite julienne presque crue qui va nous servir à ramener toujours un petit peu de texture. Voilà. Et juste pour le côté esthétique et crémeux, c'est une petite émulsion là également avec de l'orange et du safran. Un petit peu de persinette. Et voilà. Et voici le risotto de butternut, vieille mimolette. La salade d'anguilles croustillante sur pommes de terre fondantes, vinaigrette d'échalote frites. Et aussi la perche aux écrevisses et aux agrumes. Ça fait partie de la garniture du diamètre. Ça.
pour madame, pâte à dos doré sur la peau, biscuit de foie gras de canard, la Suisse en saucisse, purée de châtaigne au cognac. Et pour monsieur, le lièvre, pressé à la royale, compoté d'églantine, cannelloni de cèpe caramélisé et céleri au foie gras. Une petite salade d'agrumes et de la fleur d'oranger. C'est l'exotique. Ouais. Tu sortiras la mine. La... Ouais, tu me sortiras la gelée. Oui. Tu auras l'assiette de mandarine aussi. Oui. Il faut attaquer deux chocolats pour les dégustations. Bah tiens, dans 30 secondes. Pars déjà avec ça, mon loulou. Et attends, en haut. Ça, c'est échauffé. Ça. C'est une tourbillon aux fruits exotiques. Merci. Je vais souffler la mandarine, une petite mandarine au safran de Loire. Merci. J'adore les desserts à la vanille. Alors de ma gauche, de votre droite, à gauche, noix de coco, chocolat noix de coco, chocolat praliné, une petite cassolette aux fruits exotiques, orangettes, et quels sont ?